Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit bail maintenant. Donc un nouveau Wakfu, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, The Evil Within. Donc j'ai un petit peu hésité à le faire. Enfin en réalité je devais pas le faire, puisque si vous avez vu mon Wakfu sur Resident Evil 2, je crois que c'est... Ouais, il me semble que c'est le chapitre 2, parce que je me rappelle vraiment de ce que j'avais dit à ce moment-là. Le chapitre 2, donc de Léon A. J'avais précisé que voilà, que le jeu m'intéressait pas vraiment, je le regardais comme ça sans plus, mais vous avez été de plus en plus nombreux à me demander est-ce que je vais le faire, tu devrais le faire parce qu'il est bien, machin. Donc, je me suis dit bon allez, vu qu'en ce moment j'essaye de faire plaisir un petit peu à tout le monde, je me suis dit bon allez, je vais vous faire plaisir, je vais le faire. Donc ça veut pas dire que je le trouve pourri d'avance, hein, mais on verra. Ça se trouve je le trouverai super à la fin, mais pour l'instant, c'est pas que je l'aime pas, mais il m'attire pas plus que ça, quoi. Et puis d'après les premières critiques que j'ai vues, que ça soit aussi bien des gens lambda qui jouent à des jeux ou des fans de Resident Evil particulièrement, il y a deux écoles, on va dire, parmi les fans de Resident Evil. Il y en a, ils disent que c'est un nouveau Resident Evil, parce que voilà, c'est le créateur, donc c'est un nouveau Resident Evil, voire... le meilleur si on devait le mettre dans les Resident Evil. Et on a d'autres qui disent qu'il est vachement scripté, qu'il est vachement lourd au niveau du gameplay. Après techniquement il est vraiment pas terrible. Enfin voilà, moi c'est ce que j'ai vu le plus souvent. Donc on verra. Alors après au niveau des graphismes, là faut savoir que je suis sur PC. Je voulais le faire sur console au début, mais je vous en avais parlé un petit peu vite fait dans le speedrun de RE2. C'est que pour l'instant, comme je l'avais dit, ouais, j'ai pas l'aménagement pour. Donc mon PC fixe est toujours emballé parce que voilà, je peux pas l'étaler par terre. Mon meuble n'est pas encore là, on va dire, pour le mettre, sans trop rentrer dans les détails. Et c'est pour ça que je peux pas vous enchaîner directement Resident Evil 2, puisque c'est sur le PC fixe que je le fais. Alors j'aurais pu éventuellement le faire sur PC portable, c'est pas un gros problème. Mais tout ce qui est fichier pour faire les intros, les outros et tout, enfin tout est sur mon PC fixe, puisque d'habitude toutes les vidéos sont produites sur le PC fixe. Et donc du coup, vu que j'ai pas forcément envie de refaire l'intro et tout, et que j'ai pas forcément le temps, puis ça serait quand même con de tout refaire alors que je l'ai déjà, je préfère attendre un petit peu, puis vous proposer un autre jeu, puis je pense que la plupart d'entre vous ne seront pas contre ça. Puisque bon, RE2, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait hein, ces derniers temps. Et puis comme ça, ça permet d'avoir un espace un peu plus grand et de pas vous saouler avec RE2. Comme ça, quand je le referai, au moins, vous suivrez à peu près. Enfin, en tout cas, j'espère. Et que je vous saoulerai pas avec. Donc on va faire une nouvelle partie. Donc je suis en train de réfléchir. Normalement, je crois que j'ai tout dit. Hein. Donc RE2, pourquoi, du comment... Et puis The Evil Within, ouais, bah vous avez été nombreux à me le demander, quoi, en gros. Puis on verra bien ce que ça donne. Et puis il y a aussi Rafi Watt qui l'a commencé sur sa chaîne. Alors c'est vrai qu'au moment où je parle, il a déjà publié le troisième épisode. Moi j'ai vu que les deux premiers, en sachant que le premier, c'est... Je connaissais déjà parce que dans les vidéos... comment ça s'appelle, diffusées par l'éditeur, donc... Je crois que c'est Bethesda, enfin, ouais, il me semble. Ils étaient déjà. Comment dire. Enfin, ils montraient déjà tout le début, ils spoilaient complètement. Ils montraient les 15 premières minutes de jeu, je crois, ou un truc comme ça. Et vu que je vous avais expliqué, hein, quand il y a vraiment un jeu qui m'intéresse à fond, j'évite de trop regarder ce genre de vidéo pour me spoil moi-même. Et vu que ce jeu-là, je me suis dit, bon, je l'achèterai, mais quand il sera vraiment à pas cher. Du coup bah j'ai pas respecté entre guillemets cette chose là, donc je me suis spoilé en regardant largement les 15 minutes de jeu qu'ils offraient à ce moment là. Donc du coup le premier chapitre, je vais pas dire que je le connais par cœur, mais bon je le connais quoi. Donc c'est pas vraiment de la découverte pour le premier chapitre. Et puis le deuxième, j'ai vu un petit peu le début, mais voilà, je me rappelle vaguement, donc on verra bien ce que ça donne quoi. Donc par contre, je vous ai pas fait de présentation du jeu. Là, le problème, c'est que je peux pas retourner sous Windows. Parce que sinon, ça risque de planter la capture.
Donc désolé, ça sera le premier jeu où je présente pas. C'est assez ironique. Mais bon, il est sorti quoi, il y a un mois, je crois, à peu près. Enfin, il me semble. C'était ouais, mois d'octobre, début octobre, je crois, non? Ou fin septembre, enfin dans ces zones-là. De toute façon, ça fait très très récemment qu'il est sorti. Après, bon, il est sorti sur PC, PS3, 360, Xbox One, PS4. Et puis, bon, il est interdit aux moins de 18 ans, ça c'est une certitude. Après, studio de développement, c'est Tango Gameworks, il me semble, de nom. Ouais. Enfin, c'est Tango quelque chose, je crois. L'éditeur, c'est Bethesda. Et puis, bah, je crois que c'est tout. Hein. Ouais. Bon, à part la date, dont je suis pas sûr, voilà quoi. Je vous ai tout dit. Donc, c'est parti. Donc, petite dédicace à Rafi. Moi, je suis pas un petit joueur. Hein. Non, je rigole. Non, mais bon, je vais le faire en mode survie. Parce que lui, il a vachement hésité en lançant le jeu. Il se dit, bon, je le fais en détente ou en survie. Puis il a vachement hésité. Donc, je me suis dit, bon, fais un petit troll. Il va le mettre en mode survie. Parce que bon, je veux bien croire que c'est un survival horror. Mais bon, faut pas pousser. Hein. En 2014, on a assisté. Donc, ça va pas être non plus super dur. Et du coup, il a lancé détente. Donc, c'est un peu dommage parce qu'apparemment, vous voyez en dessous, il y a la visée automatique activée par défaut. Bon, après, plus grande quantité de munitions, c'est une évidence. Mais le truc visée automatique par défaut, je me dis, what, quoi, ça doit être super simple, quoi. Et d'après ce que j'ai vu dans ses vidéos, bon, après, il est sur console, lui, donc il y a peut-être une assistance à la visée aussi par rapport aux versions PC. Hein. C'est comme la plupart des FPS, il y a toujours un truc qui aide un petit peu à viser au joueur. Et lui, j'avoue, quand il visait, ça allait directement vers la tête de l'ennemi. Donc je sais pas si c'est directement la visée automatique ou l'assistance de la manette. Parce que la visée automatique vise peut-être vers l'ennemi, mais peut-être pas direct dans la tête, je sais pas du tout. Mais voilà, du coup, ça perd carrément en challenge. Donc moi, je vais le faire en mode survie. Tac, c'est parti. Beacon. 184 reçus, code 3, on y est dans 3 minutes. Compris, 184. Désolé, inspecteur. Je sais bien que vous venez de boucler, mais je crois qu'on va devoir faire un détour. Qu'est-ce qui se passe? Une émeute? L'appel a été lancé avant que je passe vous prendre. Homicide multiple, il paraît. Il y a déjà une douzaine d'unités sur place. 131, répondez. Eh, c'est peut-être le fantôme de Zocter qui est devenu dingue et qui a charcuté ses patients. C'est pas ça du tout. Les patients ont disparu. Et on n'en sait pas plus. Ouais. Ça reste flippant quand même. 127, 124, répondez. Joseph, tu penses qu'il y a un lien? C'est bien possible. C'est sous-scellé, mais j'ai mes sources. Si vous êtes sur place, répondez. Centrale, inspecteur Castellanos dans la 184. Quelle est la situation, à vous? 184, des problèmes sont arrivés à toutes les... sur place, Boreal Beacon... Est-ce qu'il y a des... Les bordels, putain. Et vous, inspecteur Kidman? Qu'en dites-vous? Pas grand-chose. Je pense qu'on en saura plus une fois sur place. Contactez le central et faites-leur un rapport. Joseph, Kidman, avec moi. On va aller jeter un coup d'œil. Ok. Et donc voilà, donc on arrive en jeu. Donc ouais, je pensais aussi à un autre truc que j'ai vu aussi dans les critiques, ce qui concerne le charisme des personnages. Apparemment, ils sont pas très charismatiques. Donc pour l'instant je peux pas vraiment vous dire parce que c'est que le début, donc ils vont pas faire direct des trucs stylés ou dire des phrases, des répliques de ouf quoi, qu'ils vont faire qui sont charismatiques. Mais bon, le personnage principal lui est plutôt sympathique, on va dire. Il n'y a plus d'armes dans leur Mais voiture. par contre, les personnages secondaires, donc lui, une espèce de chinois là, et puis la meuf,
La meuf, elle me fait penser à Elena de Resident Evil 6, donc bon. J'avais rien contre Elena spécialement, même s'il y en a qui l'a trouvé inutile en RE6, mais bon, elle est pas très charismatique. Pas de sang et aucune douille par terre. Et lui, ça a l'air d'être un peu un mec lambda. Peut-être qu'il sera pas utile dans l'aventure, mais bon, je sais pas. Bon, c'est vrai qu'après, je ferai beaucoup de comparaisons par rapport à RE6, parce que j'ai envie de faire un petit peu ma petite vengeance, entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'il y a des youtubeurs type, bon, le Hooper, je pense que vous connaissez. C'est vrai que j'avais été quand même tenté de regarder sa review sur RE6. Elle a été énormément critique. Et vu ce que j'ai vu au début de The Evil Within, donc je sais pas s'il ferait une review hein, sur The Evil Within, mais en tout cas, s'il l'a fait, je suis vraiment pressé de l'avoir. Pour voir s'il a les mêmes critiques et pour voir s'il a quand même les. Enfin, s'il a quand même l'audace d'aller jusqu'au bout de sa critique comme il l'a fait pour RE6. Parce qu'il y a énormément de points communs et ne serait-ce que dès le début, c'est scripté à mort, il y a des fois on est obligé de marcher et tout. Ça fait comme dans Léon d'RE6 et lui il trouvait déjà ça super casse-couille dans RE6. Donc là, s'il fait même pas cette remarque pour The Evil Within, j'ai envie de dire lol quoi. Parce que ça voudrait dire qu'il avait vraiment une dent contre RE6, mais pour les autres jeux, ça passe quoi, les trucs scriptés. Et ça, je trouverais ça malhonnête de sa part. Puis il y a beaucoup d'autres gens pour critiquer ces trucs-là. Donc, okay. Pour ça, je comparais pas mal à RE6. Hein, parce qu'il y en a aussi qui disent que ça aurait dû être RE6. Hein, donc, on va voir à l'intérieur. C'est assez drôle. Personne d'autre ne passe cette porte. Je pourrais me rendre un peu utile. On sait pas ce qu'il y a là-dedans. Donc, pour l'instant, on voit que c'est le gros bordel. À l'extérieur, il y a plein de voitures de flics, mais il n'y a plus personne. Et là, il y a plein de cadavres, donc ça commence bien. Et donc, nous, on pénètre là-dedans tranquillement. Donc là, vous voyez, c'est scripté, on est obligé de marcher. Donc, Tu as entendu ? C'est pas dramatique, hein. Moi, personnellement, ça me dérange pas, ce genre de choses. Mais voilà, c'est juste pour l'évoquer un petit peu, parce que ça faisait partie des critiques de RE6, donc pourquoi pas en parler aussi pour ce jeu. Vous êtes blessé ? Que s'est-il passé ? C'est pas vrai. Impossible. Reviquet. Je m'en occupe. Tu devrais vérifier les caméras de surveillance. Alors, juste avant d'y aller, par contre, j'ai oublié de vous en parler, mais vous devez sûrement l'entendre, la ventilation. C'est tout simplement parce que, comme je vous ai dit, je suis sur mon PC portable, donc forcément... Faire tourner un jeu qui date de 2014 sur mon PC portable, bon, il est récent mon PC portable, mais quand même, du coup, il tourne à fond, donc la ventilation, elle doit pas mal s'entendre, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit carton, encore une fois, j'ai fait un petit système dé vite fait pour mon téléphone, pour qu'il soit légèrement isolé du bruit, je dirais, une petite façade, quoi. Donc je sais pas si ça s'entendra beaucoup, après, au montage, j'essaierai de couper quand je parlerai pas et tout. Mais j'espère que ce sera pas trop gênant, sinon dans les autres épisodes, j'essaierai de trouver un autre moyen ou de renforcer un petit peu mon système D, quoi. Ouais, ça commence bien pour notre inspecteur. Il s'est déjà fait choper par l'ennemi, on va dire. Donc il y a des choses qui sont assez difficiles à comprendre hein, dans le scénario, étant donné que bon, j'ai fait que le début, comme je vous ai dit. Mais c'est assez le bordel, on a du mal à comprendre. Je pense qu'évidemment on aura des explications dans la suite du jeu. Mais du coup, vous faire un bref résumé, bon là pour l'instant vous le voyez par vous-même, donc il n'y en a pas besoin. Mais après, vous allez comprendre que ça part un peu... Enfin, on se retrouve à un autre endroit bizarre, enfin, on se dit « what ?» quoi. Enfin, c'est assez chelou, quoi, au niveau de l'histoire. Donc on sait pas si c'est réel ou si c'est notre héros qui pète un câble, ou on sait pas trop, quoi. Donc là, c'est notre pote qui va nous suivre pendant un petit moment, aussi. On ne sait pas comment il s'appelle.
Enfin, en tout cas pour l'instant. Donc on va le laisser s'en aller. Donc oui, je joue aussi souris clavier, parce que je pourrais jouer avec une manette, mais je n'en ai pas. Enfin, j'ai ma manette PS1, mais la configurer là-dessus, ça se trouve, elle marche même pas. Bon, l'idéal, c'est d'avoir une manette Xbox hein, dans ce genre de cas, parce qu'elle est directement reconnue par Windows, hein, vu que c'est Microsoft. Et au moins, ça, on se fait pas chier. Et c'est comme si on jouait une Xbox, mais on un peu plus puissante, entre guillemets, quoi. Mais bon, là, je joue clavier souris, quoi. Donc, normalement, ça devrait aller, à part la souris. Bon, c'est une souris sans fil, donc elle est pas... Enfin, c'est une toute petite souris sans fil, donc c'est vraiment pas fait pour jouer, mais bon, ça devrait aller, quoi. À part s'il y a vraiment des scènes d'action, il faut vraiment être très habile en termes de visée, mais ça devrait aller. Donc là, faut la jouer un petit peu infiltration pour récupérer des clés et fuir d'ici. Donc c'est pas bien compliqué. Il suffit juste de jouer en infiltration. J'ai pas essayé de marcher, mais bon... Il nous grille peut-être, hein, si on marche, on fait du bruit, mais... C'est pas bien compliqué. Là par contre on peut s'inquiéter un petit peu quand on entend l'alarme, mais en fait c'est juste que, je sais pas, il va mettre un cadavre dans une poubelle. Enfin je sais pas exactement ce qu'il fait, mais ça doit être un truc dans ce genre là. Au début on peut se dérouler assez une alerte, ça y est, il nous a grillé, mais non. Donc là pareil c'est scripté, on est obligé de marcher comme ça. Et après tout le reste c'est scripté là, tout ce qui va nous arriver dans les prochaines secondes c'est scripté. C'est ça qui est dommage, quoi. J'aurais aimé un peu plus de liberté. Parce que là, dans la mise en scène, c'est clair que pour avoir une vraie, enfin une très bonne mise en scène, je dirais, dans un jeu, et vraiment jouer sur les mots, enfin, faire qu'il y ait une émotion chez le joueur, donc que ça soit de la peur ou je ne sais quoi, du fun ou j'en sais rien, faut que ça soit scripté. Enfin, c'est prouvé, ça se voit, quoi. Les jeux qui sont pas scriptés, ça fait pas le même genre d'effet, mais. Et après, ça dépend de la manière dont on l'a scripté, on va dire. Et là, dans ce cas-là, bon, c'est vrai qu'au début, on peut se dire, bon, voilà, il a notre coup, c'est tout. Mais vu qu'on sait que c'est scripté, qu'il a juste appuyé sur la touche avancée, là, j'ai juste un doigt. L'autre main, je m'en sers pour tenir ma tête, pour vous dire. Et je reste appuyé sur avancée, là. Donc, vous voyez, quand vous savez que c'est ça, bon, bah... Après, là, j'avoue, c'est vrai que si j'avais jamais vu cette première vidéo de 15 minutes et après le let's play de Rafi, peut-être que j'aurais flippé, je cache pas, je sais pas, mais là, du coup, ça me fait rien. Là, c'est pareil, on sait qu'on meurt pas, il suffit d'appuyer sur espace, après on est immunisé. Donc bon, c'est pas... Voilà. Le tout début du jeu, c'est vrai que de ce côté-là, il est pas extraordinaire. Il met bien dans l'ambiance gore et tout, côté poursuivi et tout, ça y a pas de problème. Mais après, voilà quoi. Pour moi, il a pas d'effet sur moi personnellement. Mais bon, peut-être que la suite ça changera. Hein. Parce que comme je vous ai dit, moi je suis pas un trop fan hein, de jeux d'horreur. Hein. C'est pas du tout mon créneau. C'est, comme je vous avais dit, c'est peut-être un peu paradoxal vu que je fais des Resident Evil à côté, mais. Je vous ai aussi expliqué que pour moi, Resident Evil, bon, ça fait longtemps que j'ai plus vraiment peur, quoi. Après, il peut arriver que dans des moments de surprise, je sursaute, mais tout comme je peux sursauter dans plein d'autres jeux qui n'ont pas pour vocation de faire peur, hein. Là, j'ai un petit souvenir quand je jouais, enfin, un petit souvenir d'il y a, je sais pas, moi, peut-être 2 ans où je jouais à Minecraft, voilà, j'avais un pote qui était à côté de moi, je le voyais pas, je me retourne, je l'ai vu, j'ai sursauté. Et vous voyez, c'est Minecraft, c'est pas pour faire peur, quoi. Vous voyez, le sursaut n'est pas forcément lié à la peur, que c'est juste une surprise. Donc c'est pour ça, à part ce côté sursaut qu'on peut avoir comme ça, de manière pas forcément justifiée, bah ça fait pas spécialement peur. Hop. Donc là, pour l'instant, ça va, hein, c'est pas bien compliqué. Donc c'est quand même sympa, là, les effets sont assez bien faits, quand même, de l'eau dégueulasse et tout. Même si ça manque peut-être un peu de reflets, hein, si on veut chipoter, mais je trouve que c'est assez sympa. Par contre, il y a un autre truc qui est assez gênant et que beaucoup de monde l'a évoqué. Alors, faut savoir qu'il y a une mise à jour sur PC, mais vu que moi, c'est pas une version achetée, forcément, je ne peux pas mettre le patch. Enfin, je l'avais trouvé, mais il n'y a pas assez de gens
qui télécharge, du coup j'ai pas pu le récupérer, pour l'instant en tout cas. C'est un petit patch qu'ils ont fait sur PC, parce que sur console, et comme là d'ailleurs, vous pouvez voir, il y a deux bandes noires, donc une en haut, une en bas. Et c'était déjà le cas sur Resident Evil 4, hein, si vous vous rappelez pas, si vous avez un écran 4 tiers. Où est la sortie ? Sur Resident Evil 4, ils avaient utilisé ce système-là, ils avaient caché ça en disant que ça ferait plus cinématographique. C'est exactement le même argument, c'est là qu'on voit d'ailleurs que c'est le même créateur, parce que c'est Mikami derrière. Et là, pareil, Mikami a dit que c'était plus cinématographique, sauf que c'est juste pour cacher le côté faussé graphique, tout simplement. Puisque quand il y a deux bandes noires comme ça, donc si vous les superposez, hein, que vous les mettez tous les deux en haut, tous les deux en bas, ça fait quasiment un tiers de l'écran en moins affiché, et donc forcément il y a plus de ressources pour avoir de meilleurs graphismes. Enfin, en théorie ça devrait être ça. Sauf que comme vous pouvez le voir, le jeu n'est pas non plus une bombe graphique, et sur console old-gen, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux, le mettre en plein écran et tout simplement mieux l'optimiser. Donc ils ont pas voulu le faire apparemment. Et donc du coup sur PC on s'est retrouvé aussi avec des bandes noires limitées à 30 fps. Et d'ailleurs c'est pour ça que je fais tourner entre guillemets bien sur mon PC portable. Parce qu'il tourne constamment à 30 fps. Après si les fps étaient débloqués, qui tournera à 60 ou je sais pas 120, enfin ce que vous voulez. Ça dépend de la puissance de votre machine. Je pense que je ferais pas tourner à plus de 50 ou 40-50 fps quoi. Donc d'un côté c'est bien parce que ça permet d'être assez accessible sur PC. Mais du coup, pour ceux qui veulent le jeu à 60 fps ou plus, ils peuvent pas. Et les bandes noires, c'est pareil, on peut pas les retirer. Sauf que du coup, ils ont fait un nouveau patch, que justement, pour l'instant, je peux pas mettre, mais peut-être que plus tard, je pourrais. Un patch qui permet de retirer les bandes noires, en haut et en bas, donc d'avoir en plein écran, quoi. Et aussi de débloquer les 30 images par seconde. Donc voilà pour la petite histoire. Mais c'est vrai que tous les autres jeux se tapent des bandes noires, donc c'est pas... Enfin, moi, je trouve que c'est pas terrible. Ça renforce pas forcément le truc, parce que la caméra est assez proche du personnage, donc je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de ça, mais bon. Voilà, quoi. Donc, note ancienne des égouts. Près du portail verrouillé situé à l'extrémité des égouts se trouve une échelle menant à l'ancienne aile. Si vous arrivez jusque-là, vous trouverez un ascenseur menant à l'extérieur. Vous serez le premier à vous échapper, vous serez même le seul à avoir survécu. R. Donc on ne sait pas qui est R, mais en tout cas, il est gentil. Donc lui, par contre, j'ai été étonné qu'il nous saute pas sur la gueule, qu'il nous fasse un bon vieux jumpscare, vraiment que tout le monde aurait cru, mais en fait, non, il bouge pas. C'est ça qui est assez drôle. Donc là, c'est fermé. Donc là, oui, j'ai été là-bas parce que je parlais, mais... Enfin, en même temps, je vous l'ai montré, mais y a rien là-bas. Donc je sais pas pourquoi ils ont une salle comme ça. Alors peut-être qu'après, cet endroit-là, on y retournera plus tard, parce que je sais pas comment est vraiment constitué le jeu, si on repassera dans certaines zones, et que ça fera un petit peu comme les anciens RE, il y aura peut-être des allers-retours avec des clés, parce que là, c'est pareil, on voit que c'est fermé. Donc pour l'instant, je peux pas vraiment vous dire de ce côté-là, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça bizarre qu'il n'y avait rien dans cette pièce, quoi. Donc notre inspecteur est quand même salement embauché, un coup de tronçonneuse dans la jambe, forcément ça fait un peu beaucoup très mal, si on peut dire. Même si c'est pas vraiment français, mais bon, j'ai voulu le dire de cette façon-là, parce que bon, c'est pour ironiser un petit peu la situation, parce que bon, j'aimerais pas être à sa place quand même, ça doit faire très mal un coup de tronçonneuse dans le mollet, je crois. Ouais, moi c'est dans le mollet, donc ça doit faire très très mal. Voilà, donc on va récupérer un autre document ici, hop. Alors, donc note de la chaufferie, 13h, début du test opérationnel du système STEM, STEM, je sais pas si ça se prononce comme ça, on va dire STEM pour plus de simplicité. 13h15, réussite, confirmation de la synchronisation des ondes cérébrales, perte minimale, poursuite de l'expérience récupération des données par l'agent. 13h30, anomalie détectée, aucun rapport avec le sujet, le sténographe se plaint de douleur et tombe dans le coma pour des raisons inconnues. Le docteur ordonne l'extinction du système STEM. 13h45, l'équipe commence à se plaindre de nausées et ses membres perdent connaissance les uns après les autres. Ceux qui arrivent encore à bouger cherchent à s'échapper de l'hôpital, mais en sont incapables pour des raisons inconnues. Le système STEM aurait dû être désactivé, mais les sujets ont maintenu la synchronisation cérébrale avec l'hôte. 14h, ils
cet homme est apparu. Voilà. Donc j'imagine que l'homme en question, c'est le mec habillé en blanc qui tue les mecs instantanément, je pense. Qui a l'air pas très commode, apparemment. Bon, d'après ce qu'on a vu, il nous a détecté, mais il a pas voulu nous tuer. Je ne sais pas pourquoi. On en apprendra peut-être plus. Un peu plus tard. Allez, donc là, attention, ça ne rigole plus. Enfin, quoique ici, je peux encore me mettre... donc on peut activer le mode furtif avec la touche contrôle. Donc dans les options, enfin au début, en fait, on était obligé de rester appuyé dessus. Donc je me suis dit, c'est bon, c'est chiant, avoir le petit doigt resté bloqué sur la touche contrôle. C'est pas pratique. Mais dans les options, on a la possibilité de le faire laisser activer. Donc on appuie juste une fois, hop, activer. Et si on veut le désactiver, on appuie juste une fois. Donc ça, je trouve que c'est quand même mieux. Se rester appuyé, c'était pas vraiment pratique, quoi. Donc je regarde au niveau du temps, on est à 26 minutes. Donc c'est pareil, j'aurais pu vous le faire sur PS3. À la base, je voulais acheter d'occasion ou quand il serait vraiment pas cher, à aller 15-20€, on va dire. Mais depuis, il y a eu un petit changement, puisque bon, là, c'est sur PC, donc vous doutez bien que, comme je vous ai dit, je peux pas faire de mise à jour, donc vous doutez bien pourquoi. Mais je l'ai acheté sur PS3, donc je l'ai pas encore reçu, mais je n'aurais pas pu vous le faire sur PS3 pour l'instant, parce que comme je vous ai dit... toutes mes vidéos se font sur le PC fixe, et donc forcément la carte d'acquisition est dans le PC fixe. C'est une carte qui se branche directement sur la carte mère, hein, donc je peux pas la mettre sur le PC portable forcément. Et donc du coup, je pouvais pas faire la version PS3, enfin en walkthrough quoi. Enfin en tout cas pas pour l'instant, il aurait fallu attendre un petit moment, le temps que ça soit aménagé, et voilà quoi. Et donc je l'ai acheté sur PS3, j'ai commandé sur Amazon, donc je l'ai pas encore reçu. Donc c'était une offre spéciale, donc limitée à un achat par compte. Donc j'ai dû en recréer un pour Rudy. Donc si je dis pour Rudy, vous devez savoir pourquoi à ce moment-là, je pense, il vous l'aura dit. Et je me suis dit, voilà, ce serait dommage qu'il n'en profite pas, donc voilà, je lui ai offert le jeu. Et du coup, c'était à 27€, donc c'est vraiment pas cher. Et c'était une offre flash sur Amazon, c'est vraiment tombe à pic, quoi, juste une journée comme ça. J'allais sur Amazon comme ça pour vérifier c'est quoi que j'avais commandé, je sais pas. Le dernier truc. Lui c'était un t-shirt que j'avais acheté. Et en regardant comme ça, offre flash, bah je clique rarement là-dessus, parce que la plupart du temps c'est des trucs électroménagers et tout, enfin je veux dire moi-même, j'en ai rien à foutre quoi, de ces trucs-là. Et puis là je vois offre flash et Evil Within, et puis là je vois 26€, enfin 27 plutôt, et n'importe quelle version je crois, il me semble. Donc je me suis dit, ah ouais quand même, putain c'est pas cher, et du coup je me suis laissé tenter, je me suis dit, bon allez je l'achète. Et donc voilà, je l'ai commandé. Donc là, monsieur un petit peu enragé, hein, il a voulu nous dégommer là, mais je me suis planqué rapidement, il m'a pas trouvé. Donc là on attend un petit peu. Donc au début je pensais qu'il fallait vers la droite là-bas. Enfin on peut y aller éventuellement, mais autant y aller directement comme ça. Moi c'est ce que j'ai vu. Après j'ai vu qu'il y avait des bouteilles, donc forcément système de bouteilles, hein, donc fait pour faire diversion. Voilà. Donc il est vraiment très con, hein. Il suffit juste de faire péter des bouteilles, c'est vraiment très simple. Donc là on se dépêche, on va pas se faire griller. Hop. Voilà. Donc ouais, le système de bouteille, voilà. De ce côté-là, le jeu n'a rien inventé en termes de gameplay, hein, puisque tout ce qui est infiltration, il y en a beaucoup qui disent que c'est du The Last of Us, mais avant The Last of Us, il y a plein d'autres jeux qui disaient ce truc-là. Je pense notamment, je l'avais dit à Rudy, mais notamment Manhunt 1 et 2, si vous connaissez pas, donc c'est un jeu, un TPS, voilà, où en gros tout le monde veut vous buter dans ce jeu-là. Bon, de toute façon, Manhunt, ça porte bien son nom, hein, chasse à l'homme, mais... Mais c'est un truc qui est réputé, enfin c'est fait par Rockstar, c'est réputé pour être super gore, parce que c'est de la violence entre guillemets gratuite. Bon c'est vrai qu'elle est gratuite, mais c'est vraiment jouissif à jouer, hein, comme style de jeu. Enfin personnellement, moi j'ai adoré y jouer. Surtout le deuxième, parce que le premier j'avais joué un petit peu, mais sans plus. Mais j'avais adoré y jouer, et si vous voulez, dans ce jeu-là, il y,
y a les mêmes systèmes de diversion, et ces jeux-là datent de 2005-2007, je crois, à peu près, dans ces zones-là. Et il y a le même système de diversion, c'est-à-dire récupérer des briques pour les lancer, faire du bruit, ou pour s'en servir comme arme. Pareil pour les bouteilles de verre, donc ça existait bien avant The Last of Us, et bien avant The Evil Within. Donc de ce côté-là, rien n'a été inventé. Donc c'est pour ça que je tenais à le dire. C'est vrai qu'on en voit... Enfin, je trouve que c'est overhypé, The Last of Us. Il y a beaucoup trop de monde qui le vénère, entre guillemets. Enfin, voilà, faut peut-être pas abuser, quoi. Graphiquement, on dit que c'est une bombe. C'est vrai qu'il est très joli. Mais bon, c'est la suite logique de Uncharted, quoi. Je veux dire, les développeurs, ils se sont fait la main avec les trois Uncharted. Après, forcément, ils allaient faire un beau jeu, quoi. Mais Uncharted 3, ils le rivalisent entièrement, quoi. Même le 2, d'ailleurs. Le 2 est très beau, aussi, hein, donc... Ben voilà, c'est pour ça que je suis pas trop de cet avis-là, quoi. Parce qu'après, niveau survie, bon, il est pas extraordinaire. Donc là, pareil, c'est scripté, il suffit juste d'avancer. Même si notre héros morfle, il faut juste rester appuyé sur la touche avancée, ça suffit. Donc Mister Tronçonneuse, là, dans le cul, hein. Donc il y a forcément beaucoup de clins d'œil à des films, hein, comme d'habitude, on va dire. Donc c'est marrant, ça fait un petit peu penser évidemment à Massacre à la tronçonneuse, hein, pour ne citer que lui. Mais on voit que Mikami aime bien quand même les tronçonneuses, hein, puisque dans le 4 aussi on avait. Et celui-ci fait quand même beaucoup penser au... pas forcément au Dr Salvador de base, celui avec son sac à patates qu'on croise dans le village par exemple, mais le super Dr Salvador, celui qui est plus grand qu'on croise... Par exemple, dans le... Enfin, oui, on le croise uniquement là, dans le mode mercenaire, dans le quatrième niveau, donc Waterworld, et donc c'est un mini-boss. Et celui-ci, en fait, a une tronçonneuse avec double lame, et il vous course constamment, même si vous tirez dessus, la plupart du temps, ça ne l'arrête pas. C'est pas comme le petit Docteur Salvador, où un coup de fusée à pompe, ça le met à terre, par exemple. Là, il va continuer de vous foncer dans le tas. Et dès qu'il vous approche, il vous décapite direct, hein, il fait pas dans le détail. Contrairement à l'autre, où il peut juste vous donner un petit coup si vous dépêchez de fuir, ça va. Que l'autre, le moindre toucher, normalement, je crois que ça vous décapite. Donc il y a pas mal d'inspiration de ce côté-là. Et puis un petit peu du Silent Hill aussi. Hein. D'après ce que j'ai vu, bon, j'ai pas été très loin dans le jeu, hein, mais je vais vous dire à peu près là où je me suis arrêté. J'ai terminé chapitre 1. Enfin, j'ai pas joué, hein, quand je vous dis que j'ai terminé le chapitre 1. Parce que moi, quand j'ai fait des tests d'enregistrement, je me suis arrêté à peu près dans cette zone-là, là où on va quitter l'hôpital. Mais pour les autres, pour ce que j'ai vu, notamment chez Rafi, il avait terminé le chapitre 1, et forcément, il a entamé le chapitre 2, mais après, je saurais pas vous dire où il s'est arrêté. Parce que je m'en rappelle plus vraiment, en fait. Je sais que j'avais vu un clin d'œil énorme à Resident Evil 1 et je vous en parlerai au moment venu. Mais après, je sais pas exactement où ça a arrêté. Mais voilà, c'est vraiment dans cette zone-là où je vais vraiment découvrir le jeu. Et donc là, on est à 33 minutes, ok. Retourner.
Fais chier. On peut contacter personne. Tout le monde est sûrement mort. Comment ça va à l'arrière? Quelques bleus, mais ça va. Ça va. Ça ira mieux quand on sera loin. Ça va. Ouais, un peu plus loin et tout ira bien. Ça va. On tombe. Attention! Qu'est-ce que... On tombe! Et voilà, chapitre 1 terminé. Déjà, vous allez me dire... là je suis à combien, 37 minutes, bah c'est parfait, je pense qu'on va s'arrêter là. J'essaierai de maxer sur à peu près 35 minutes de vidéo, et à partir de 35 minutes, si je vois qu'il y a un checkpoint, je m'arrêterai. Donc dans l'idéal, ça serait bien que ça se termine vers 40 à peu près, on verra bien quoi. Donc je vais sauvegarder déjà. Donc vous avez vu dans la cinématique, je me rappelle, c'est Rafi qui l'avait dit, la cinématique c'est un air du film 2012. Finalement, ouais, je pense pas spécialement, parce que dans 2012, c'est surtout bon la fin du monde, ok, mais... Enfin, du monde actuel, on va dire. Mais il y a l'eau qui recouvre la planète, en gros. Enfin, d'après mes souvenirs, je crois que c'est ça. Que là, c'est plus une destruction, mais il n'y a pas d'eau. Enfin, c'est pas tout à fait pareil, je trouve. Bon, après, c'est apocalyptique, mais... ce qu'on remarque aussi, enfin, en tout cas, moi, je l'ai remarqué. Vous avez peut-être pas fait attention, je sais pas. Mais un truc qui est assez étrange quand même, et c'est pour ça que je me dis, j'ai l'impression qu'on est dans un monde parallèle au monde réel, parce que bon, ok, ça se détruit partout, éventuellement, pourquoi pas, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'autres êtres humains sur la zone, c'est ça qui est chelou. Parce que bon, dans l'hôpital, on a compris, tout le monde est mort, donc là, éventuellement, c'est justifié, mais enfin, il y avait un survivant avant qu'il crève, éventuellement, mais... Je veux dire, dans la ville, si tout se détruit, les gens ils doivent gueuler, enfin courir partout, enfin vous savez quoi. Et là, il y a personne. On n'a pas vu un seul bonhomme. Donc j'ai vraiment l'impression que, enfin je sais pas, peut-être qu'en rentrant dans cet hôpital là, ils sont rentrés dans un monde parallèle, un petit peu à la Silent Hill, je sais pas. Si c'est dans cet univers là, on verra bien. Mais voilà. Après, on a vu l'espèce d'homme en blanc là qui apparemment nous suit. Hein. Il était sur le haut de l'hôpital, sur le toit. Et puis apparemment il l'a vu dans la camionnette, je sais pas s'il y était vraiment, parce que vu qu'il a la faculté de se téléporter apparemment, d'aller super vite, est-ce qu'il y était vraiment ou est-ce que c'était une hallucination? On ne sait pas encore, on verra bien. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour cette première vidéo. Ah oui, aussi, j'avais dit aussi dans un commentaire à Rafi, et c'est vrai que ça m'y fait penser, et là je l'en ai un petit peu, c'est la séquence là où il tombe dans la camionnette, là, donc dans l'ambulance. Il y a une séquence au ralenti où on voit la meuf tomber au ralenti, et ça me fait vraiment penser à la même séquence dans RE6, dans le bus, donc dans la campagne de Léon, où il y a Léon et Elena qui tombent au ralenti de la même manière. Alors je sais pas si c'est voulu ou pas, s'il y a des clins d'œil pour dire ouais, moi je fais mieux que toi et tout, parce que Shinji est quand même une grande gueule, hein, c'est, faut le savoir. De toute façon, ça se voit clairement, on voit clairement sa personnalité dans ses interviews, la manière dont il parle et ce qu'il dit en général. Donc je sais pas si c'est un petit clin d'œil du genre « Ouais, moi je fais mieux que toi en termes de survival et tout. » Enfin, je sais pas, hein, mais il y a des petites similitudes comme ça, et il y en a une autre qu'on verra aussi, donc clin d'œil à RE1, donc dans le chapitre 2. Donc voilà. Donc je m'arrête là, donc j'espère que cette première partie vous a plu. Alors, pour l'instant, on va dire que le chapitre 1 donc, est fait en avance. Donc là, à l'heure où je vous parle, on est le 3 novembre. Donc il reste encore pas mal de temps avant que les autres vidéos passent. Je vais aussi faire le début du chapitre 2, parce que, comme je vous ai dit, je me rappelle vaguement, donc je le connais à peu près. Donc je l'ai fait en avance, et après j'essaierai, je sais pas si j'arriverai à tenir le planning, je repartirai sur un rythme d'une vidéo tous les deux jours, mais j'essaierai de vous le tourner à peu près à 2-3 jours en avance, mais maximum. Après je verrai, hein, si je peux pas... J'essaierai de les faire en avance ce week-end, on verra comment ça se tourne.
J'essaierai de vous les faire de manière un peu plus... Essayer de rester régulier, mais en étant un peu plus proche de vous en termes de commentaires. Par contre, je préfère le dire à l'avance. Pas de spoil, forcément, logique. Mais quand je dis pas de spoil, c'est aussi bien au niveau de l'histoire qu'au niveau du gameplay. Allez pas me dire, dans le niveau suivant, il y aura, par exemple, même sans trop spoiler, vous allez me dire, il y a un monstre, un boss, ou je sais pas quoi. Il faut faire ça pour le tuer, ou fais attention, faut que tu gardes telle munition, machin. J'ai pas envie d'avoir ce genre de commentaires. D'un côté, je peux comprendre, vous voulez m'aider, c'est pas un problème, mais... moi, quand je commence un jeu comme ça, là, vous avez vu, j'ai lancé en mode normal. La part des jeux, quand je les commence, je le fais en mode normal. Et voilà, je me démerde comme un gant. Alors après, c'est vrai qu'avec les Splinter Cell et tout, vu que j'étais limité en temps, et à un moment, où, à force de rester bloqué, pendant tout un épisode, fallait bien que j'aille regarder sur Internet. Hein, j'allais pas faire 10 épisodes à la suite dans la même map, hein, j'avais pas le temps pour le faire. Mais là, j'ai le temps pour faire celui-là. Donc j'essaierai vraiment de me démerder par moi-même. Et puis bah si je meurs et que je recommence, bah c'est pas grave, hein. c'est la magie de la découverte, c'est comme ça. Hein. Donc je préfère largement, enfin entre guillemets, ça fait peut-être un peu maso, mais je préfère morfler et crever plein de fois et me démerder par moi-même que vous me dites faut que tu fasses ça, ça, ça. Quoi. Enfin ça a plus aucun intérêt pour moi. Quoi. Donc évitez de me dire ça. Après, quand j'aurai passé la zone par exemple, dans le chapitre 1, s'il y avait une meilleure technique ou s'il y avait un truc à faire, bon là dans le chapitre 1, vu que tout est scripté, il n'y a pas grand chose à faire. Mais je veux dire, dans les autres chapitres, s'il y avait un boss que j'ai tué et que j'ai terminé cette vidéo là et que justement après vous pouvez la commenter, là par contre vous pouvez dire il y avait ce moyen là pour tuer le boss ou des choses comme ça, là il n'y a pas de problème par contre. Donc voilà, je préférais le dire à l'avance pour éviter de me gâcher entre guillemets un petit peu mon aventure comme ça quoi. C'est vrai que j'aime bien me démerder un peu. Même si je morfle et tout et que c'est pas facile, hein, mais ça fait partie de l'expérience de jeu et ça fait partie aussi des souvenirs qu'on va gagner du jeu. Et forcément, quand on fait un jeu, par exemple, qu'on a déjà vu entièrement en walkthrough, c'est pas, on gardera pas les mêmes souvenirs, c'est pas du tout pareil. Enfin, je sais pas comment vous fonctionnez, mais en théorie, ça devrait être de la même manière, je dirais. Mais on n'a pas les mêmes souvenirs. Donc c'est pas la même nostalgie quand on en parle, ça a pas le même impact, je dirais entre guillemets, dans notre tête, quoi. On dira peut-être pas c'est un super jeu parce qu'on a déjà joué avant, du coup on sait à peu près tout ce qu'il faut faire. On n'a pas toutes les subtilités de gameplay qu'on doit apprendre comme si on le faisait pour la première fois, quoi. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça. Et moi j'aimerais bien conserver cette idée-là, quoi. Donc comme je vous ai dit, les deux premières, je vais essayer de les faire en avance. Enfin, la première est déjà faite, puisque c'est celle-ci. La deuxième, j'ai essayé de la faire dans la semaine. De toute façon, j'ai encore du temps, parce que les autres vidéos, le temps que ça soit upload, il y a encore pas mal de marge. Et les autres, j'ai essayé de les faire en temps réel. Donc, par contre, petit détail, je sais pas combien de temps prendra ce jeu-là. Apparemment, il a une bonne durée de vie, quand même. Hein. 10-15 heures, à peu près, d'après ce que j'ai compris. Enfin, plus vers 15 heures que 10, parce que 10 heures, c'est une durée de vie normale, on va dire. Enfin, pour moi, en tout cas. Donc je sais pas combien de temps il prendra, mais il faut savoir que au mois de décembre forcément il y a les vacances et bon, mon PC portable éventuellement je peux l'emmener, mais je sais pas si je ferai des vidéos là-bas, donc peut-être que d'ici là je vous dirai que toutes les vidéos que vous aurez pendant la période Noël en gros elles sont faites en avance, peut-être, je sais pas, on verra bien. Ou peut-être que je continuerai à les faire en live. Parce que c'est vrai que si je continue à les faire sur le PC portable, c'est pas un problème, puisque comme son nom l'indique, il est portable. Donc je pourrais l'emmener, mais je sais pas encore. On verra. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Et puis je vous dis à la prochaine donc pour le chapitre 2. Allez, à plus.